les enfants qui ont, donc, ils ont appris. Alors c'est quoi leur CDR? Attends, je me lève parce que je vois rien. Alors il faut savoir que d'abord on remercie Monterrey, celui qui s'occupe de ce groupe-là. Alors il fait en sorte que les enfants puissent connaître la Torah Béalpé, Torah Alpé, Béalpé. D'accord ? Ils connaissent les Mishnayot comme il convient. Alors ils connaissent les interprétations de justification. Hein ? Ok. Alors on commence par Dan Cohen. D'accord, c'est Cohen Bertrand. Alors, Mishnah Pel Aleph, Mishnah Dalet. Ne vous inquiétez pas, c'est le trac, c'est complètement normal. Excuse-moi, j'ai rien compris à la Mishnah. Tu peux m'expliquer? Là, on a dit le Hadar Rishon, et si on est le Ouvéret, on lit le Hadar Shini. Et on ne fait pas le Hadar Rishon, on lit pas la Megillah, et pas le Kabbalah. Mais Hadar Shini, on fait toutes les maisons. Hazak ou Baro, très bien. Encore une Mishnah. Attendez. Allez. Mishnah Yud. En ben Bama Gdola. En ben Bama Gdola, oui, Bama. Et là, Ela. Bama Gdola. Ela Tsachir. Zagdal. Kochéou. Il prend Benjamin. Mais Yehuda, il a dit
si Yaakov, Benjamin n'y vient pas, son père il mourra. Et c'est pour ça que Yosef l'a dévoilé à ses frères que c'était lui. Alors nous verrons le deuxième. Alors Père B, Akore Tamishna Alef, Akore Tamerina. Très bien, que je peux de la traduire. Maintenant, s'il a lu par cœur, il est en train de la traduire, ou il a lu en langue, ça aussi, il sera battu. Mais on la lira en langue étrangère, en langue étrangère à un étranger. Et si un étranger, il a de France d'Arras qui a entendu l'hébreu, c'est qui? Alors, notre père. Alors, père, primaire, Mishna B. El Mochrim, Beta Knesset. El Mochrim, Beta Knesset, et la Rinaï, Chim, Yosu, Arthur, D'abord et dernière Mishnah, Perek Dalet Mishnah Alef. Aboret Amelila Ahmed de Yoshev. Kera Eha Kera Ou Ashnaïm Yassa Ou. Mais pas chez Nabou Yévarek, le Yévarek, Bachini Ou Arabishi Bachabat Bonha. Mesdames, s'il vous plaît, juste un peu de silence, les enfants n'ont pas une voix très forte. D'accord, donc. C'est pas une bonne question que les hommes. Il
fait, Youssef, il voulait faire un siban à Miyamin pour lui dire que tu vois, je vais te donner 5 tuniques, bah, parce que plus tard, un descendant de toi, Mordechai, quand il va être sur le cheval, il va porter 5 habits. La question maintenant reste toujours parce qu'il va pas faire jalouser ses frères pour lui juste demander un siman. En fait, la réponse c'est, en fait, par exemple, tout le monde il a donné un habit pour 100 euros. Mais en fait, à Benjamin, il a donné 5 habits, mais par exemple, il coûtait 20 euros. Enfin, 20 euros, ça va faire 100. Donc en fait, il lui a fait le siman, mais à la même quantité de valeur, à la même valeur avec ses autres frères. La question, il a peut-être donné les tuniques, c'est égal, mais il a donné plus d'argent à Binyamin, il a donné de l'argent, et aux autres, il n'a même pas donné d'argent, alors ça se voit qu'il est jaloux. Alors, la réponse, en fait, quand eux, ils ont vendu Youssef, la valeur d'un serviteur, c'est 30 pièces d'argent. Et en fait, comme ils étaient 10, donc ça fait 300. Donc tous les frères, il leur a rien donné. Parce qu'eux, en fait, ils devaient lui donner 300 pièces d'argent. Alors, Youssef, il leur a pas donné, comme ça, ils sont quittes. Et Benjamin, comme lui, il n'était pas dans la vente, il lui a donné les 300 pièces. Alors maintenant, nous allons interroger Uriel, ma sœur et Mila, que je peux nous réciter la Mishnah Gil. Ben Aïr, Shahana, Vikara. Alors, à quoi que chérie ne prend pas Nerila?